Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation de notre toute nouvelle avancée technologique, le Styler GHD Chronos. Je m'appelle Émilie Rondeau, je suis responsable éducation pour GHD et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui avec mon invité la technologie de cet outil mais également sur modèle les résultats incroyables que l'on peut obtenir avec ce Styler. Avant ça, je vous montre en action grâce à la vidéo de campagne de GHD Chronos. Comme vous avez pu le voir, grâce à sa technologie, vous allez pouvoir réaliser des coiffages 3 fois plus rapides pour un résultat haute définition en un seul passage et qui dure 24 heures. Le résultat haute définition, c'est 85% de brillance en plus, 2 fois moins de frisottis et des cheveux 3 fois plus protégés contre la casse. Alors comment on va réussir à obtenir ces résultats et comment GHD Chronos va tenir ses promesses? C'est grâce à sa technologie et notamment à la toute nouvelle technologie HD Motion Responsive. Pour rappel, 185 degrés, c'est la température optimale de coiffage sur tout type de cheveux. La clé, c'est le maintien de cette température sur toute la surface de la plaque, mais également de la racine jusqu'à la pointe. Et grâce à cette technologie, il est 2 fois plus réactif que la technologie du Styler Platinum Plus. Donc concrètement, il va vraiment venir s'adapter à votre façon de coiffer, à la typologie de cheveux, à la section que vous allez utiliser. Et ce n'est pas vous qui allez devoir vous adapter et vous savez prendre des sections plus fines quand vous avez un cheveu plus épais, plus texturé. Et j'ai d'ailleurs sélectionné pour vous justement un modèle aux cheveux texturés qui est un cheveu absolument, absolument magnifique. Et je vais vous montrer sur ce type de cheveux si notre cliente veut changer de coiffage pour la journée, eh bien que c'est extrêmement rapide et que le résultat est absolument incroyable avec vraiment beaucoup de brillance, beaucoup de douceur et puis surtout un coiffage qui va tenir dans le temps tout en préservant la fibre naturelle. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors le Styler GHD Chronos, il est disponible en noir et en blanc. Moi j'ai décidé de travailler avec le noir pour aujourd'hui. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on va également sortir, donc lancer en même temps que GHD Chronos, et je ne vous l'ai pas précisé, mais il sort au 15 janvier, de nouveaux sprays thermoprotecteurs. Donc on conserve le spray thermoprotecteur actuel qui devient le thermoprotecteur pour tout type de cheveux, et nous allons avoir la possibilité de personnaliser la proposition et l'utilisation grâce à un spray thermoprotecteur adapté aux cheveux colorés ou bien un spray thermoprotecteur adapté aux cheveux fins. Donc pour les cheveux colorés, on va protéger la couleur encore, on va protéger 2 fois plus la couleur par rapport à un autre spray thermoprotecteur. Et pour le spray thermoprotecteur cheveux fins, il va venir donner une sensation de densité, il va venir créer du corps en fait sur le cheveu. Donc là, notre modèle, elle a les cheveux fins, donc c'est justement celui que l'on va utiliser sur son cheveu. Donc 1 à 2 pulvérisations sur la mèche, on passe bien les mains dedans pour répartir, puis on va venir bien préparer le cheveu évidemment. Et vous allez voir qu'en un passage, on va réussir à obtenir un résultat parfaitement lisse. Donc moi, j'utilise toujours une brosse devant. Maintenant, vous pouvez également utiliser un peigne, vous pouvez tout simplement le faire au doigt. La cliente à la maison, c'est ce qu'elle fera. Et on voit directement que le résultat est immédiat. Et vous voyez, on a non seulement le lissage, mais on a une brillance absolument parfaite de la racine à la pointe. Donc grâce à sa technologie HD Motion Responsive, il est vraiment donc 2 fois plus réactif dans la décision en fait qu'il donne aux plaques de diffuser la chaleur. Et donc ce que je vous précisais pour rappel, c'est que les 185 degrés, c'est donc la température optimale de coiffage sur tout type de cheveux. Et il y a des capteurs qui sont intégrés à l'intérieur de nos outils, de tous nos outils, et qui vérifient en continu que le cheveu ressente bien cette température optimale de coiffage. Et donc là, la réaction en fait entre l'information donnée par les plaques et la position de l'outil sur le styler, c'est ce qui fait que ça va 2 fois plus vite et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un résultat incroyable, peu importe le type de cheveux, peu importe la section que vous allez utiliser. Et vous avez vu, je glisse relativement vite d'ailleurs, y compris sur un cheveu texturé comme celui-ci. Donc je continue
sur la dernière mèche, je vais juste la diviser en deux parce qu'elle est un peu large pour continuer. Et donc même sur une section plus épaisse que celle-ci, on aurait exactement le même résultat, à savoir un résultat parfaitement lisse et brillant. Donc vous voyez, quand on parle de résultat haute définition, c'est vraiment cette brillance, donc 85% de brillance en plus, deux fois moins de frisottis, et puis bien sûr les cheveux qui sont trois fois plus protégés contre la casse grâce à la diffusion de la température optimale de coiffage à 185 degrés. Donc vous voyez que le résultat est absolument parfait. Donc c'est un vrai gain de temps pour vous, coiffeur, en salon, pour la réalisation de vos prestations. Et c'est là aussi où c'est intéressant, puisque bien sûr, vous avez des créneaux qui sont identiques ou quasi identiques, peu importe la typologie de cheveux des clientes qui viennent à vous. Et également, vous allez pouvoir le conseiller à vos clientes pour qu'elles puissent réaliser des coiffages extrêmement rapidement, facilement et avec un résultat professionnel à la maison. Pour finaliser le coiffage ici, on va simplement venir appliquer le sérum de finition sur les longueurs et pointes. Et on a un résultat parfaitement lisse, y compris donc sur un cheveu texturé. Je vous laisse admirer le résultat et la brillance du cheveu de notre modèle. Et je vais maintenant accueillir Océane Avakian avec son modèle qui va vous montrer une autre réalisation avec le styler GHD Chronos. Bonjour Émilie. Bonjour Océane. Alors Océane, qu'est-ce que tu vas nous montrer comme technique avec le GHD Chronos? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser la technique du Beach Wave, qui est une de mes techniques phares. Que j'apprécie... Qu'on voit souvent sur ton compte Instagram. Oui, c'est ça. Que j'apprécie tout particulièrement parce qu'elle est facile à réaliser et parce qu'elle donne du volume, de la dimension et énormément de brillance. C'est l'occasion de mettre en avant les effets vraiment décuplés de la brillance qu'on a avec Chronos et de montrer à quel point on marque le pli très facilement et très rapidement. Oui, la réactivité du styler te permet d'avoir un résultat qui est vraiment immédiat, et bien marqué, bien canté, ce qu'on voit déjà sur les premières mèches que tu as réalisées sur ton modèle. C'est exactement ça. Eh bien, écoute, on te regarde faire. On est parti? C'est parti. Allez, ça marche. Alors, on va commencer peut-être par mettre un petit peu de spray thermoprotecteur. Tout à fait. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a désormais deux nouveaux sprays thermoprotecteurs qui s'ajoutent au catalogue. Le spray thermoprotecteur pour cheveux fins, le spray thermoprotecteur pour cheveux colorés. Donc, on va vraiment pouvoir personnaliser la proposition. Et là, en l'occurrence, étant donné qu'on est sur un cheveu plutôt fin, Océane utilise le spray thermoprotecteur dédié aux cheveux fins qui va nous permettre donc de donner cette impression de densité. C'est très intéressant pour ce type de clientes-là qui ont les cheveux fins et qui ont souvent peur d'avoir un produit, d'appliquer des produits parce qu'elles ont peur que ça... alourdissent un peu le cheveu, que ça poisse un peu, voilà, que ça graisse un peu le cheveu. Et donc là, en fait, on va vraiment avoir l'effet inverse avec ce produit. Donc, c'est quelque chose qui va leur plaire et que je vous recommande également, bien sûr, en salon, d'utiliser sur tous vos cheveux, les cheveux plutôt fins. Surtout celui pour cheveux fins qui apporte énormément de tenue au coiffage. C'est ça. Donc, je réalise une section qui fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Hop, je vais pouvoir diviser ma mèche en deux. Et là, dès la racine, je vais venir effectuer un enchaînement de demi-tour pour marquer le pli, le cran à chaque fois. Je fais bien attention à faire vraiment mes demi-tours à peu près à la même distance à chaque fois pour avoir quelque chose de régulier en termes de résultats. Et là, on peut voir que ça fonctionne instantanément et surtout que ça brille énormément. Et puis, tu as un résultat qui est un peu plus marqué aussi qu'avec un autre styler, puisque le corps, il est un peu plus arrondi. C'est ça. Les plaques sont un peu plus fines qu'avec le styler Platinum Plus ou le styler Gold. Oui. Donc, le résultat, il est aussi plus marqué. Ben, c'est vrai que moi, j'utilisais beaucoup le Platinum Plus, qui était mon favori jusque-là. Mais depuis que j'utilise le Chronos,
Je trouve que vraiment, c'est hyper simple à réaliser. Ça marque tout de suite la forme et on a un résultat qui est parfait. Ce qui est important en plus pour moi, parce que vu que je fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit nickel et que ce soit nickel tout de suite. Directement. Directement. Pas de temps à perdre. On peut pas mentir, voilà. Donc c'est vrai qu'avec avec Chronos, on a vraiment une efficacité incroyable. Et alors, je vous parlais de la technologie précédemment et notamment des 185 degrés. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce point-là, puisque la clé, c'est vraiment le maintien de la température, le fait de pouvoir diffuser cette température de façon extrêmement précise de la racine à la pointe, de façon à obtenir justement ce résultat immédiatement avec la brillance, la douceur et puis la tenue du coiffage dans le temps. Et donc concrètement, quand on va poser un outil chauffant sur le cheveu étant à température ambiante, il aurait tendance à chuter en température en fait, comme quand on met des pâtes dans l'eau bouillante. D'un seul coup, on met les pâtes dedans, l'eau, elle ne bout plus. Et en fait, il faut attendre la remontée en température pour que l'eau boue de nouveau. Donc concrètement, c'est exactement la même chose avec un cheveu. Le cheveu, il est froid. Donc quand on va poser un appareil chauffant sur le cheveu, l'appareil chauffant va avoir tendance à chuter en température avant de remonter. Et c'est là, en fait, qu'intervient la technologie GHD, puisque les capteurs, en fait, vont faire en sorte que la température ne baisse pas. Et c'est là que le styler, que la technologie HD Motion Responsive du styler GHD Chronos est deux fois plus réactive. Donc, il va donner l'information, du coup, aux plaques deux fois plus rapidement qu'avec le styler Platinum Plus pour vraiment diffuser cette température de manière extrêmement précise. Et donc, ça nous permet d'avoir ce type de résultat de façon très, très rapide. Et donc, ça nous fait gagner du temps et ça nous permet donc de créer différents types de coiffage, dont ce type de coiffage wavy, avec un résultat qui est très marqué, très cranté. Tout à fait. Il y a vraiment plein de possibilités avec ce styler, parce que à peine on incline, à peine on donne un mouvement, ça fonctionne tout de suite. Donc, je pense qu'on va vraiment s'amuser, nous les coiffeurs, à peut-être se découvrir même des nouvelles techniques, des nouvelles façons de l'orienter, de le tenir. Il y a plein de choses sympas à faire avec celui-ci. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça ouvre le champ des possibles et ça laisse l'opportunité de développer sa créativité. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous testez de nouvelles techniques, à publier sur les réseaux sociaux, taguer GHD France, de façon à ce qu'on puisse voir vos réalisations et pourquoi pas s'inspirer pour nos prochaines collections. Tout à fait. Et du coup, vous vous demandez peut-être comment on va positionner nos différents stylers, puisqu'on a bien sûr le styler Gold, le styler Platinum Plus au catalogue, qui reste au catalogue. Et donc, on va ajouter le GHD Chronos, qui va finalement nous permettre de personnaliser encore davantage notre proposition, puisque le styler GHD Gold, on va le proposer du coup principalement aux femmes qui débutent avec le coiffage, celles qui veulent vraiment le résultat professionnel, le résultat GHD, préserver la santé de leurs cheveux et qui l'utilisent éventuellement de manière occasionnelle, aussi les juniors. Ensuite, on va proposer le GHD Platinum Plus à nos clientes qui se coiffent de manière fréquente, qui ont un cheveu méché, coloré, sensibilisé, puisque grâce à sa technologie ultrasonde prédictive, on a deux fois plus de protection de la couleur. Et enfin, on va proposer GHD Chronos aux addicts du coiffage, celles qui veulent être bien coiffées en toutes circonstances, à n'importe quel moment, qui se coiffent tous les matins, au quotidien, et qui veulent un coiffage plus rapide, puisque la promesse, encore une fois, c'est un coiffage trois fois plus rapide pour un résultat haute définition, en un seul passage et qui dure dans le temps puisqu'on va avoir une durée du coiffage pendant 24 heures. Donc voilà le positionnement pour les stylers et c'est intéressant pour vous en tant que professionnel de savoir où les situer. Et puis ça va vous permettre également d'avoir une offre vraiment personnalisée à apporter à vos clientes, personnalisée et diversifiée. Tout à fait. J'allais m'apprêter à mettre la pré-touche finale. La pré-touche finale. Il y en aura une de touche finale. Je mets un petit peu de sérum. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il aura vraiment un impact sur les petits cheveux qui ont tendance à voler à droite à gauche. Donc là, on va vraiment avoir quelque chose de bien défini, d'assez brillant. Les clientes ont un cheveu qui est vraiment très doux après l'application du sérum. Donc, je vais venir l'appliquer dans les longueurs et pointes, mais je frôle aussi le dessus pour venir vraiment calmer les petits cheveux qui volent.
Et je terminerai ensuite par le spray brillance de finition, qui est tout simplement indispensable quand on veut un résultat waouh pour la cliente, ou pour une vidéo, ou pour une photo d'ailleurs, parce que c'est vrai que nous, les coiffeurs, maintenant, on est de plus en plus amenés à faire de la photo, à faire de la vidéo, et il faut pimper le cheveu des clientes pour que ça rende encore mieux sur vos résultats. Donc là, pour ce type de coiffage, tu fais tout simplement au doigt la finition. Tu passes pas le peigne dedans ou assez. Alors, pas de partout. Ok. Pas de partout. Juste un petit peu sur les pointes parce que l'idée, c'est d'apporter un effet cranté, mais un effet beach wave. Pas un effet cranté, très glamour, très imbriqué, trop sophistiqué. Ouais. Voilà. Donc, si je passe le peigne, le risque, c'est de venir un peu trop emboîter le résultat et je veux quand même garder un petit peu de naturel. Ok. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je viens peigner un petit peu au niveau des longueurs et pointes parce que j'ai gardé une pointe légèrement plus lisse, vraiment pour apporter de la modernité à mon coiffage. Donc voilà, je viens juste peigner un petit peu au niveau des longueurs et pointes. Et par ailleurs, cette technique, tu la réalises aussi sur des cheveux plus courts. Oui, et sur des carrés, c'est magnifique. Ouais. Oui, tout à fait. Donc le styler GHD Chronos, évidemment, on peut l'utiliser sur tout type de cheveux, dans la texture, mais également dans la longueur. Tout est possible, et notamment aussi pour ce type de technique-là. Oui, tout à fait. Sur les carrés, en fait, ça permet de proposer un coiffage avec du volume et du mouvement, mais sans qu'elle perde trop en longueur, parce que souvent, quand on vient de raccourcir ses cheveux, quand même de manière assez significative, on n'a pas forcément envie de reperdre encore 2 cm avec le wavy. Donc là, avec cette technique-là, on va permettre d'apporter du mouvement aux cheveux, tout en gardant la longueur qui a été prédéfinie au moment de la coupe. Et du coup, sur un carré, tu glisses moins. Ouais, sur un carré, je vais avoir tendance exactement à descendre un petit peu moins entre chaque rotation. Mais après, encore une fois, là, il y a vraiment de quoi s'amuser. On va pouvoir multiplier les visuels en fonction de la distance qu'on va parcourir entre 2 demi-tours. On peut les faire plus rapprochés, comme on peut les faire beaucoup plus espacés pour apporter vraiment un très léger mouvement aux cheveux, une très légère ondulation naturelle de chez naturel. Ouais. Donc, amusez-vous. Vraiment, il y a plein de possibilités. Super. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Tu l'as appliqué Non, je n'ai pas appliqué. Voilà. Il manquait une étape. Ouais, c'est ça. Donc, celle-ci, c'est la touche finale. C'est la cerise sur le gâteau. Donc ça apporte vraiment ce spray brillance. Donc, bien sûr, la brillance, vous pouvez l'appliquer directement sur le cheveu. Vous pouvez aussi l'appliquer sur la brosse, quand vous utilisez une brosse pour finaliser votre coiffage, sur la brosse ovale ou sur la paddle, et ensuite passer la brosse directement à l'intérieur du cheveu. Là, on peut le faire pour les pointes, si on veut voir un petit peu. Hop. Parfait. Et vous allez pouvoir du coup admirer le résultat. Fanny, si tu veux bien nous montrer, donc de face et de dos. Voilà, en plaçant bien les cheveux derrière. Génial, magnifique. Donc on voit bien en effet la brillance, le résultat haute définition. Tu as fait ça extrêmement rapidement. C'est l'avantage de Chronos, c'est que ça va vraiment très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Super, merci beaucoup Fanny. Merci mille fois Océane, j'espère que cette présentation, cette démonstration vous aura permis de découvrir GHD Chronos et de découvrir eh bien, finalement qu'on peut vraiment réaliser une multitude de coiffages sur différents types de cheveux parce que là on avait 2 cheveux qui étaient totalement différents. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.